Salut, je suis tellement contente de vous retrouver aux news de Delphi Show. Avant de continuer la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous en activant la cloche de notification. Je vous raconte la bataille du siècle, la bataille David contre Goliath. Moi, Delphine Kwakwato Premier, je vous raconte tout de A à Z. Le Mola a accusé Abu Nidal d'avoir laissé Ano Jaguar, l'ex-manager de Jigé Arafat, raconter des insanités sur lui lors de ses passages à la télévision Ivoi TV. Après plusieurs récriminations, Abu Nidal a dit à au Mola, non, ce n'est pas moi, frère Saint, arrête ça, je n'ai rien à voir avec ça. Le jour où ils se sont retrouvés au studio de David Taïro, ah, ça chauffait. Je vous dis tout maintenant. Le Mola a recommencé ses récriminations. Alors, Abu Nidal a dit au Mola, arrête ça, je n'ai rien à voir avec ça, je t'ai dit ça plusieurs fois. Ah, le Mola n'a pas voulu écouter. Il dit, si j'arrête, tu vas me faire quoi? Tiens, ça fait mal. Ça fait mal à Abu Nidal. Il a laissé, lorsqu'ils sont sortis seulement, il a récupéré le Mola. Il l'a frappé. Comme son enfant. D'ici que les gens viennent séparer là, le Mola a pris sa voiture et il a fui. Il a quitté les lieux. Moi, je vous montre les images, la vidéo. Regardez. Nous sommes en direct de la bagarre mondiale. Ça va chauffer. Abu Nidal contre le Mola. Qui va gagner cette bataille? Qui va gagner? Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je t'en supplie, donne-moi le mariage, s'il te plaît, Seigneur. Oh, onction de mariage, descends sur moi. Oh, papa. Oh, on est fatigué. On est fatigué, nous, les célibataires, là. Hein? Souleymane Kamagaté Bamba Amisara, laissez-nous respirer maintenant. Oh, depuis que vous vous êtes mariés, là, on ne respire plus. C'est madame par-ci, madame par-là, regardez ma bague, c'est rentré ici, c'est sorti ici. On est fatigué. Nous-mêmes, on se cherche. Moi-même, je vais aller chercher Sosie de Jigé Arafat pour épouser. Bon, j'ai fait une interview avec Souleymane Kamagaté. Suivez. Bonjour Souleymane. Et Soule, félicitations pour ton mariage. Oh. Merci. On a pris la bonne nouvelle. Ah. Comment se passe la lune de miel ou bien c'est fini maintenant? Tu me vas pas ou bien? Aïe. J'ai grossi ou j'ai pas grossi? Tu as grossi. Mais pour, tu penses que c'est à cause de quoi? Vous les filles célibataires avec vos idées reculées, vos idées qui n'en valent pas la peine là. Moi je suis marié. Hein? Oui. Respecte-moi. Hein? Oui. Comment un homme marié ne va pas grossir? Et quand tu me vois de loin, tu sens pas? Est-ce que je brille pas? Tu penses que moi je ressemble à une tiède de cabri maintenant? Je triplique cabri, hein? Regarde mes cheveux. C'est bien payé. Mariez-vous et arrêtez de poser des questions n'importe comment aux gens. L'île de miel, là, ça s'est bien passé. Est-ce que j'ai besoin de te dire ça? Tu vois pas? Tu vois pas que j'ai grossi? Regarde mes chaussures, c'est pas bien ciré. C'est parce que j'ai une femme. Arrêtez de courir derrière les hommes et mariez-vous. Et arrêtez de poser les gens des questions comme ça. C'est quoi ça? Si tu veux, je vends de l'huile d'onction, mais c'est quoi là? Si tu veux, pour toi, je ne vais pas vendre. Je vais te donner, tu vas te marier aussi. Et puis tu vas arrêter de poser des questions comme ça aux gens. C'est quoi ça? Merci, c'est moi qui suis venu. Tu as raison, c'est moi qui suis revenu. Faut te marier. Au revoir. Mariez-vous et arrêtez de déranger les gens là. Le 21 décembre 2019, c'était l'anniversaire du prince Ned Nwoko, le mari de la célèbre actrice nollywoodienne Regina Daniels. Et pour célébrer cela, elle a partagé un joli message sur Instagram pour son mari. Je vous lis ça. Les mots ne peuvent pas expliquer à quel point tu es grand. Tu es merveilleux, incroyable, unique, incomparable. C'est tellement mignon. Beau. Ah, affaire de beauté là, est-ce que c'est vrai? En tout cas, l'amour en aveugle.
Fort, gentil, généreux, il y a tant de qualités uniques que tu possèdes que je ne peux pas expliquer. Que Dieu te donne la force d'accomplir toutes vos grandes ambitions dans la vie. Joyeux anniversaire, mon amour. Et quand est-ce moi aussi je vais voir Mario pour partager ce genre de poèmes sur Instagram? Venez m'épouser, s'il vous plaît. Prochaine news. L'artiste-chanteur burkinabé Raz Ben a récemment fait un direct sur Facebook où il dit qu'il ne va plus faire de buzz parce qu'il veut se marier, avoir beaucoup d'enfants, avoir une vie paisible. S'il te plaît, Raz Ben, faut revenir sur ta décision là. Tu vas arrêter, Rama sera seule. Hein? Peut-être qu'elle aussi va décider d'arrêter. Moi, je deviens quoi dans ça là? Hein? Moi, je deviens quoi? Si tous les artistes là vont arrêter le buzz, moi, je deviens quoi? S'il te plaît, revois ta décision. Regarde ma vie sans beurre. Maru! Maru, il y a quelle nouvelle? Il n'y a pas beurre aujourd'hui, non? Tu n'es pas au courant? Quoi? Les stars ont fait réunion, ils ont décidé qu'ils vont tout arrêter. Il n'y a rien même. Je crois que tu es au courant. Oui. Moi, je suis foutue. Tu as vu, non? Toi-même, tu as vu. Ma vie sans buzz, là. Moi-même, je ne vais plus vivre. Je vais arrêter de vivre. Hein? Donc, ne fais pas ça. Il faut bien réfléchir. Reviens sur ta décision. Même si tu fais et puis on t'insulte, là, il faut continuer seulement. C'est comme ça on fait. Oh, donc, il ne faut pas arrêter. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour les news de Delphi Show. Rendez-vous prochainement, très très prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous en activant la cloche de notification. À bientôt!